Elles sont pas enlevées au début. Asda. Bon, allez, les gars, je suis incognito. Et bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle série, sur une nouvelle map avec pas mal de Patrick. Pas l'intégralité, mais un bon nombre. On va commencer par Tech. Coucou. Az. Beat. Az de Beat. Surprise, motherfucker. Je pensais que t'allais faire le moustache. Je suis incognito. Can. Welcome. I don't understand anything. Best in two ever. I lived, motherfucker. Bill. Bonjour à tous. Harry. Bill. Et moi-même. Copie. Ta gueule. Donc, c'est ben, dis bonsoir, Pierre. Dis bonsoir. Bonsoir de retour. C'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Et tous les gamers. Comme l'indique le titre de l'épisode pour chacun, c'est enfin, on s'est hérité des séries ultra hardcore des anglophones de chez Minecraft. Donc, on a repris le même principe. Et on a commencé, on est 8 ce soir, donc pour la première saison. Pour ceux qui connaissent pas, le but, c'est pas de faire n'importe quoi comme Phoenix, mais c'est d'être le dernier survivant. On sera en mode ultra hardcore, c'est-à-dire que Nox a pas compris. On est en hardcore, on a qu'une seule vie. Putain, je vais pas réussir à présenter les règles. Mais laissez-le présenter. La nourriture ne régène pas les cœurs, seules les pommes d'or le font. C'est des vieilles recettes de pommes d'or, donc avec des lingots d'or. La map fait 1000 x 1000, centrée en zéro. De toute façon, les limites sont visibles. C'est du Minecraft là, donc tout est dispo, tout est craftable, tout est possible. Avec voilà. Quelque chose près, par exemple au niveau des potions et tout. Voilà, alors au niveau des potions, on a juste enlevé les potions de régène et les potions de santé niveau 2. Par contre, les potions de santé niveau 1 sont toujours là, mais elles se craftent avec un melon scintillant qui lui-même se crafte avec un bloc d'or et non un lingot. Ou nugget. Une nugget, je sais plus, voilà. Donc, En fait, Bill a appris absolument toutes les recettes la journée. J'ai tout appris il y a une demi-heure. Non, il y a une demi-heure, j'ai tous voilà. Les onglets ouverts. T'as bien potassé, c'est bon. Tu vas gagner, Bilou. Je vais gagner pour ça le premier mort. Comment donner des faux espoirs aux gens, hein, là, qui est salaud ce Pierre. Le plus important, c'est de garder sur le principe que la nourriture ne régène pas la vie, donc il faut vraiment faire attention à n'importe quel dégât. Et puis, on va être chacun en solo, les épisodes dureront 30 minutes. On va spawner à 8 endroits de la map qui sont équitablement répartis pour qu'on soit tous à peu près à la même distance les uns des autres et pas juste à côté. Et puis voilà, hein, chacun a les mêmes chances après. Alors, j'ai un truc à ajouter. Ouais. As the pick. Beat. Quoi? I must ask you a question. Yep. Ask. Mais la blague. Ah bon. I must ask you a question. Ah. T'es nul. Au revoir. Qu'est-ce que du coup, on... C'est bon, on lance. On lance. Ah bah ouais. Bon, les paris sont ouverts. Moi, je parie que je serai le premier à partir. Donc, moi, je suis ouvert. Moi je quitte le Bumble et on se dit in game quand on se dit au revoir. Ah oui, encore mais une chose que t'as dit, Pierre, c'est qu'il y a les points de vie qui apparaissent sur l'onglet tab. Ah ouais, bon alors explique. Non, commencez pas à faire spawn. Bravo Nox. Nox, you suck. Stop. Ils sont pas censés mourir à l'heure libre. Non. Si. Pause quit. Avec Minecraft. Nous voilà dans Kill the Patrick et ça marche. Et ça c'est cool. Donc on se retrouve au point de spawn ici. Il y a des arbres, il y a de la jungle. Pas de plaine. J'aurais bien mis une plaine pour les. Mais oui, on peut y aller. J'aurais bien mis une plaine pour XY. Alors dans ce premier épisode, on va essayer de trouver déjà un max de ressources sur la terre, entre guillemets.
au-dessus, quoi, c'est ce que je veux dire, au-dessus de la terre. Voilà, ça suffira. J'ai une touche bloquée. Laquelle c'est celle-là. Ok, ça c'est chiant. Voilà, une table de craft. Alors le nouveau système de craft, ça a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Hein. Faut pas croire. Hop. J'essaie d'aller vite pour pas trop perdre de temps. Ça c'est bien qu'il y ait encore un cube de bois. Ça fera toujours ça en plus. On va reprendre la table de craft. Je suis plutôt stressé. Pour le moment ça va parce qu'il y a personne, et je le sais que c'est le début tout ça. Mais toujours est-il que je suis stressé. Je vais faire un truc comme ça et on va reboucher là. Voilà. Et c'est parti, on s'enfonce. Enfin non, en fait, j'aurais pas dû reboucher vu que je vais d'abord sortir. Je veux pas tomber sur quelqu'un pour le moment. Je veux juste surtout éviter de... Comment dire de... Oh, je trouve pas les mots. Je veux pas mourir dehors pendant à cause de la nuit ou un truc comme ça. Voilà. Parfait. Ça, on peut ranger. Voilà. Et on prend la table de craft. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé dans ce trou. Là, et on est parti à l'exploration un peu, voir qu'est-ce qu'il y a autour de nous. À part du désert. Faut pas trop que je cours parce que j'ai pas encore de bouffe. Ni de ressources pour la bouffe. Là-bas il y a des cannes à sucre. Ça m'intéresse les cannes à sucre. Pourquoi? Parce que à un moment j'aimerais bien faire une table d'enchantement. Parce que la table d'enchantement, c'est cool. C'est-à-dire pour ça il faudra du diamant. Oh, il y a du verre là-bas, c'est bien le verre. On court. Ok, voilà, 18 cannes à sucre, c'est parfaitement respectable. Encore un petit peu par là, mais ça m'intéresse pas tout à fait. J'essaie de pas de perdre de temps, il est déjà presque midi, ça fait 3 minutes 17 pour cet épisode. J'ai un chrono sous les yeux, hein. On aura toutes les 30 minutes un signal pour dire que c'est l'heure de couper l'épisode. Mais là, j'ai un truc sous les yeux. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Une plaine. Personne aux alentours, non. Mouton, ça m'intéresse. Ah, c'est un loup, mais ça m'intéresse toujours pas. Je vais peut-être prendre un peu plus de bois, j'aurais dû faire une hache, mais je vais en faire une même. Hop. Ce système de craft est pratique. Il a vraiment ses problèmes. Mais quand ça fonctionne bien, c'est très 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 pratique. J'aurais bien des pommes aussi. Je vais peut-être rester un petit peu dans le coin, au moins jusqu'au début de la nuit. Peut-être je minerai par là, je vais peut-être pas retourner dans la jungle. En plus j'aime pas trop la jungle. Mais j'aimerais bien en fait. Ouh, là-bas, j'ai vu un cochon. Ouais. J'aimerais bien attendre que ça droppe un peu, voir si j'ai des pommes. Parce que oui, alors, comme vous l'avez vu dans l'intro, le seul moyen de récupérer de la vie, c'est de manger des pommes. Et les pommes, c'est même pas des pommes d'ailleurs, c'est manger des pommes d'or. Et des pommes d'or qui se craftent avec 8 lingots chacune. C'est pour ça que c'est très très hardcore. Il y a aussi la solution des Instant Health, potions Instant Health. Mais c'est beaucoup plus long à crafter. Et surtout il faut un cube d'or, donc c'est une de plus, ça régène pas plus que la pomme d'or. Donc non, mais j'aimerais bien des pommes. De toute façon j'aurai tout le temps pour aller sous terre ensuite. Il reste encore 5 minutes de jour. Donc j'ai du temps, il y a des vaches là-bas, c'est bon les vaches. Et en plus ça donne du cuir, donc pour un livre ça sera parfait. Alors je ne sprint pas parce que moi je ne suis pas pressé. Non, c'est juste pour pas user ma barre de bouffe. Même si user la barre de bouffe c'est pas trop grave, sauf que là on est en hard. Donc si on a plus de bouffe, on en crève. Donc c'est vraiment toutes les conditions du hardcore. Je vois toujours personne, c'est bien. J'ai très peur de tomber sur quelqu'un au hasard. Ça va, tout le monde va à peu près bien sauf Bill et Harry qui ont déjà perdu un demi-cœur. Ah oui, hein, c'est en vain. Ça aussi c'est bien, les poulets. Puis j'ai un seed, donc si jamais j'ai à rester sous terre, je pourrais faire un truc. C'est bien parce que ça donne des plumes. Et avec ça, on fera des flèches.
Parce que évidemment là on est à 1.5, donc les comment ça s'appelle les squelettes sont absolument terribles. En sens qu'ils sont terriblement durs à battre. Parce que on est en hard donc ils visent très bien. Ça c'est les nouveautés de la 1.5 hein, bien sûr. On est en hard, ils visent très bien. Ok merci. Ah ok. En hard ils visent très bien, je me répète, je suis stressé, très stressé. Ils visent très bien et en plus plus on s'approche, plus ils visent et plus ils tirent rapidement. Ce qui veut dire que il faut absolument que je chope des flèches. Là c'est pas mal, on a déjà 10 plumes, ça me fait 40 flèches. 12 plumes, 11 viandes. Je dois peut-être pas passer mon temps à faire ça, mais bon. Une partie du truc c'est la bouffe, donc c'est pas mal. J'espère juste qu'il y a personne aux alentours. Du coup ce que je vais faire, je vais revenir à l'endroit où j'étais. Donc près des arbres que j'ai coupés, voir s'il y a eu une pomme entre temps. Je suis peut-être allé un peu trop loin, le chunk s'est déchargé, mais ça ira quand même. Le chunk s'est peut-être déchargé. On verra. Toujours personne. Non, c'est bien. Encore des poulets. Parce que moi j'aime beaucoup tirer à l'arc. J'aimerais bien l'enchanter, mon arc, aussi. Encore une vache, c'est bien. Encore une. Là. Déjà 3 levels. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Sans aucun livre autour d'une table d'enchantement, je crois qu'on peut aller jusqu'à 6 levels d'enchantement. Puis pour un arc, un minimum, c'est de l'enchanter. Parce que l'arc, l'avantage de l'arc, c'est qu'il ne peut pas y avoir de mauvais enchantement. On peut pas taper un enchantement de merde comme sur une épée ou une armure. Et donc c'est un vrai... Il y a plein de mobs, j'adore. Franchement, j'adore. Merci le jeu. Ça me fait des steaks. En plus j'ai pas mal de steaks de poulet aussi. Et il y a toujours personne. J'ai cru avoir vu quelque chose bouger. J'espère que c'était pas quelqu'un. Ça y est, je stresse. Terrible. Là il y a quelque chose, on pourra peut-être y aller. On sait rien, mais ce serait peut-être un endroit discret pour s'enfoncer qui ferait pas un truc pas très un truc assez bizarre dans le sol. Je vais monter un peu mon son. J'espère que ce sera pas trop fort pour vous, au pire je baisserai sur au montage j'entends. J'entends un bruit. C'est peut-être juste moi. Ouais, ça doit être juste moi. Ça doit pas faire 5 minutes que je suis. Non, ça fait pas 5 minutes. Par contre, je suis à 9 minutes d'enregistrement, ce qui veut dire que le soleil va pas tarder à se coucher. Et si j'ai pas de pommes là, j'y vais, je commence à miner. Non, pas de pommes, pas de pommes. Drop-moi une pomme. Ok, merci. Et toi? Non? Non? Personne ne drop des pommes ici, c'est pas très sympa. Allez, j'aimerais bien une pomme. Je m'en fous des sapines, moi. J'ai peur, franchement j'ai peur de tomber nez à nez avec quelqu'un. Et j'espère que ce sera pas sous terre, parce que sous terre c'est 10 fois pire. Ça m'est déjà arrivé sur un Hunger Games à tomber face à face, mais vraiment face à face à quelqu'un en étant en train de miner. Franchement, ça vous met la trouille de votre vie. Et déjà un mort. C'est aller très très vite. En fait, il avait parfaitement raison. Je commence à être assez bas sur la barre de bouffe, donc je vais m'enterrer. La nuit tombe. Je m'enterre, je fais du four. On va pas être s'enterrer là. J'avais un petit endroit sympa. Je crois que c'est là-bas. Ou pas. Non, plutôt ou pas. Ah, c'est là. Enfin, c'est pas là, mais ça... Ça va être sympa. J'ai pas de la terre sur moi, si. Là, je me ferais mal. C'est très obvious, on va virer ça. Je m'en fous d'utiliser mon épée, je vais m'en refaire une de toute façon. Là ça descend un peu, c'est bien ça. Voilà. Il y a du charbon, c'est bien. Et on n'est plus que 7 et Asby qui est très bas. Bah évidemment qui est très bas. Oh, ah voilà. J'ai un petit problème avec ce stealer. Du coup. Tac, il me faut de la stone. S'il
il faut que je fasse cuire la bouffe. De charbon, c'est pas suffisant pour faire cuire relativement à une bonne quantité de boue. Pourquoi j'ai que c'est cobble ? Pas le minexis, peut-être. Ça doit être la raison. Il faut que je fasse gaffe aussi, parce que là, ça peut spawner. Voilà, charbon, raw beef. Puis du coup, je vais pas essayer de sneak tout le temps, mais je vais essayer de sneak un maximum. Puis là où j'ai laissé ouvert, c'était pas... On aura vu plus prudent comme comportement. Donc je vais aller très rapidement, je vais te faire un petit truc un peu comme ça. Oups, c'est pas le bon outil. Et puis j'essaie de rester un petit peu sur ma touche de sneak. Juste au cas où. Oh, il y a du charbon sous l'eau là, c'est bien. Je vais essayer d'être relativement mobile, parce que j'ai pas trop envie de rester au même endroit pendant assez longtemps pour quelqu'un de me débusquer. Ça va, tout le monde est à peu près stable. Et on va aller bouffer un coup. Charbon, voilà, merci. Puis par ici, je vois pas grand chose, donc je pense que je vais m'enfoncer à la main. Ouais, on va faire ça. J'ai du bois sur moi au cas où, c'est tout bon. Eh bien, allons-y. De toute façon, je vais remonter ici plus tard. Et c'est parti. J'ai un petit peu de surplus de charbon. On va faire juste 2-3 torches. En fait, on va en faire même un peu plus. Ça, c'est quoi? Un full charbon? Ok, il n'y a besoin que de ça. Il me faut faire ça. Ah, comment ça marche? Comme ça? Non. Voilà. Ouais, alors, des fois, ça marche pas. Et quand le système de craft ne fonctionne pas comme vous le voulez, là, c'est la galère. Je dois dire que je commence à trembler très sérieusement. Je m'y attendais pas vraiment. J'ai peur. Pourquoi j'ai fait ce bruit, je ne sais pas. Du coup, on descend. J'espère que personne ne trouvera mon petit coin avec le four. Est-ce que j'ai vu un nom? Non. Alors, il y a une méthode de check qui est très efficace pour voir si vous avez vu un nom ou pas. Vous mettez un endroit hyper sombre comme ça et vous regardez autour de vous. Et ça, s'il y a quelqu'un, vous le verrez, mais tout de suite. Ok, il n'y a personne là. C'est bien. Faudrait que je fasse cuire un peu de cobble aussi. Non pas que ce soit une vraie stratégie, mais si j'ai à me cacher pour mettre derrière un mur, c'est parfait. Bon, alors moi, je dis tout de suite, je suis pas excellent au PVP. Donc je ne pense pas être un des gagnants de cette première saison. D'ailleurs, j'espère que cette première saison vous plaît. Je suis couche 43. Évidemment, je presse shift, donc ça affiche le graphique. Je vais pas laisser ça afficher. Je regarde de temps en temps derrière moi. Et puis si c'est marrant, j'ai aucun fer. Est-ce qu'il m'est longtemps arrivé? Je sais pas. Oh. Je stresse. Je dis ça souvent parce que en fait ça m'étonne moi-même. Je pensais pas du tout stresser comme je stresse actuellement. C'est évidemment beaucoup plus... Bon, ça c'est normal, mais c'est beaucoup plus stressant à vivre qu'à regarder sur les chaînes YouTube. Du charbon, c'est bien. J'ai rien oublié, hein, non ? J'ai l'impression d'avoir aucun minerai. Ma pioche est bientôt morte. Je vais pas remonter. Je vais refaire une autre table de craft. J'ai pas envie de remonter au cas où il y a quelqu'un, parce que remonter... Et puis en plus, remonter en sneak, c'est long. Donc je vais aussi refaire un four. Mais j'ai de la bouffe là-haut. On va remonter rapidement, parce que je pense pas qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Enfin, près de moi. On va vérifier quand même, mais... C'est bien, un peu de fer. Encore un peu de fer. J'ai oublié de couper ça. Mes excuses. C'est pas grave, ça devrait pas faire trop de bruit pendant la saison. Au pire, je couperai un moment où je serai un peu tranquille. Vraiment tranquille. Cool 5 niveaux. Ce serait marrant ça, il y a quelqu'un à côté de toi qui gagne un niveau.
tu sais pas qui est là. D'un coup, ding ding ding. En remontant, sneak toujours. J'ai vraiment pas envie de tomber sur quelqu'un. Vraiment pas du tout. Et puis du coup, on va mettre ce fer à cuire. Faut pas que je réponde. J'aime pas faire ça. J'aime pas du tout faire ça. Sortez-moi de là. Dès que je lâche la touche nick, je stresse. Mais un point. Ça y est, ça c'est fait. Il faut que j'en recrafte une. Bon, eh ben, on va des sneaks pour un moment. On va faire plein de sticks parce que les sticks, c'est cool. Et puis on va attendre d'avoir du fer. Non, en fait, non. Non. On va essayer de rester sur du stuff de pierre, sauf pour l'épée. Qu'on va faire en fer. Lol. Et qu'on peut faire tout de suite. J'ai du mal à bouger ma souris, je stresse. Ça l'aide. Bref, voilà. On va se débarrasser de stuff qu'on ne veut pas. Parce que le stuff qu'on veut pas, c'est la mort. Ça on veut pas, ça cobble on a largement assez, ça on garde, ça on en veut plus, ça non plus, ça je sais pas, je pense pas, j'ai assez de bouffe pour le moment, au pire je ressortirai, là c'est la nuit, bientôt la fin de la nuit, on est à 17 minutes 30. Voilà, 4, qu'est-ce que j'ai fait, ok c'est juste du lag, puis après je vais prendre ça et je vais descendre avec. Par contre, je vais penser à éclairer, parce que si ça spawn et qu'ils viennent derrière moi... En fait, non. On va faire un dernier truc avec ce qui reste là de machin. C'est faire cuire un peu de cobble, et on va attendre cette cobble. En fait, non, on va juste en faire cuire. Zéro. On va faire cuire pour un charbon de cobble, pour avoir de la stone lisse au cas où. Voilà, comme ça, on s'organise plutôt bien. Ça, c'est pas mal. Il me faudrait un arc aussi, donc pour ça, il me faut ou des araignées. Bon, j'aurais dû prendre... Ah, mais non. Une mine abandonnée, ça pourrait être bien aussi parce qu'il y a des cobwebs. Et les cobwebs, ça donne. Les cobwebs. Ça donne de la ficelle. Je peux pas vous dire à quel point je stresse. Bon, ça ira bien parce que j'ai pas le temps. Je suis pressé. Voilà. Voilà. Et on descend. J'aimerais bien avoir un inventory Twix pour trier tout ça, mais c'est pas autorisé. Donc bon, on va faire un petit machin comme ça, très réaliste. Et ça c'est l'utilité d'avoir de la stone lisse, de pouvoir faire ça. Voilà. Parce qu'il faut savoir, les torches, bon, on ne le voit pas parce que j'ai un bug, mais les torches, généralement, ça fait des particules. Il faut que je résolve ça. Je vais tester un truc, texture pack, défaut. Ok, c'est pas un bug de texture pack. Le problème, c'est qu'il n'y a plus 1.5, là j'ai plus les particules. Donc par exemple, quand je tire une flèche, je la vois pas partir. Je vois pas quand est-ce que je fais un critical hit, ou des trucs comme ça, et ça m'embête un tout petit peu même. On fera avec. Voilà, allez. Hop, et on continue notre descente aux enfers. Aux enfers, non. À quel niveau on est? 30 du charbon, plus de charbon, c'est bien de charbon. Comment sont les gens sur la vie? Ok, il y a Tech qui a perdu un point, Sous un demi-cœur, enfin un cœur, Sous un demi-cœur, Harry un demi-cœur, c'est bon. Et il y a juste As-2 qui est très très bas à cause de son combat avec qu'est-ce que je raconte avec Bill? Oh, je stresse. J'ai dû acheter les couches. Je devrais arrêter toutes les 2 minutes avec le stress. Fou. Tout ce qu'il a à dire. Enfin bref, c'est dommage pour S2Pic parce que franchement, c'était un des types qui est. C'est un type qui est vraiment très 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 bon en PvP. Et du coup, moi j'ai gagné mon pari, j'avais dit qu'il ferait pas d'épisode, il le fait pas.
Dalhem. Oh, du coup, Harry est descendu bien bas. Enfin, bien bas, 15. Ce qui est pas... pas exceptionnellement bas, mais ce qui est pas, pas tout haut non plus. Alors, mettre une torche parce que j'aime pas entendre des mobs. Je déteste entendre des mobs, en fait. Et on continue à descendre. Quel coup je suis ? 28. Toujours aucun nom en vue. Non, ça va. Je devrais faire, je devrais mettre des, pas des fakes, enfin si des fakes justement, des faux, pourquoi j'ai fait ça, des faux trucs à des endroits, pour montrer que je suis passé là, mais pour pas que ça les, que ça les encourage à chercher où est-ce que je suis maintenant. C'est quoi c'est, alors il y, y a des bugs, des, enfin c'est Minecraft, enfin moi ça c'est complètement bugué. Du coup là regardez ce qu'on va faire, on va poser une table de craft. Un four, voilà, bah ça tombe bien que j'ai posé un four parce que j'en avais besoin. On fait cuire de la cobble, et en fait j'en mettrai là à l'endroit où je descends. On va faire un petit machin un peu comme ça, comme si on avait miné du minerai par ici. Ça c'est parfait pour dire qu'on a miné du minerai. Et du coup moi je vais descendre et je placerai de la, comment on appelle ça, de la stone lisse en descendant, et on va le faire tout de suite d'ailleurs. Tout ça c'est pour éviter, si jamais on trouve que je suis passé là, si jamais quelqu'un arrive ici quoi, c'est juste pour éviter que bah, que je me fasse avoir. Ça c'est vraiment le but, qu'ils se disent ah bah il était là mais il n'y est plus. J'aurais dû faire une pelle, c'est pas grave. Permet de changer de direction. Je stresse. J'ai pas prévu d'objet lourd à poser sur, sur la touche sneak au cas où j'ai AFK une seconde. Vraiment, là je suis étonné parce que je ne trouve absolument rien. J'ai eu presque aucun fer. Allez, actuelle histoire, Harry, j'aimerais bien savoir combien de vie tu es. Ah, sous aussi ça a disparu. Ça va et ça revient. Hein. C'est fait doux. Ok, c'est bon. Salut. Là, il y a du fer. Ma pioche va péter. Bam. Non, raté. Bam. Non, raté. Bam. Non, raté. Bam. Voilà. Donc, du coup. Il faut absolument que je revienne à tout. Il reste combien de temps? Il reste 6 minutes. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Des sticks. Pourquoi je fais ça? Allez. Hop. Voilà. Hop. Bien. Donc, il reste 5 minutes 30. Je reviens tout de suite. Et c'est bon, on est de retour, je suis super stressé à l'aide, voilà du bruit. Je viens de faire une course
pour pas perdre de temps, je suis essoufflé. Terriblement. Medroc. Medroc, déjà 4, level 4, j'ai rien trouvé. Oh là là. On va aller level 12. Oups, mauvaise touche. 12, voilà, et on va miner tout droit. On va souffler un coup. On a soufflé un coup. Combien de temps il reste? 26 minutes 32, ce qui fait qu'il reste à peu près 3 minutes 30 environ. Et j'ai toujours absolument rien trouvé, je ne comprends pas. Tout simplement, je comprends pas. Aucune cave, aucun mob, aucun bruit de mob, aucun bruit d'eau. Du charbon, que du charbon. J'ai trouvé quoi, 5 lingots de fer. Je vais me faire une pelle parce que ça va m'énerver. Je vais me la faire en fer. La faire en fer, oui. Oh puis non, je le fais pas en fer, c'est bon, je vais pas m'en servir tant, dit le type. Qui regrettera ça quand sa pioche, quand sa pelle aura cassé. Ce qui arrivera plus tard. Ah ça va plus vite hein. Charbon, je suis comment, 44, ça devrait aller pour le moment. Et j'ai assez de torches. C'est bien. Et j'avais un petit peu entre guillemets parié avec Icas de Pique qui ferait pas un épisode et il le fait pas. Et je suis. Ah désolé As de Pique, mais ça me fait un petit peu rire. Je vais juste miner tout droit. On verra bien où est-ce que j'arrive. Si j'arrive quelque part un jour. Comment sont mes coordonnées là? Ok. Faut savoir que j'avais regardé les coordonnées à un moment en fait, parce que j'ai créé le plugin pour cette fois-ci. Enfin pour ce jeu là. Oh du fer, enfin. Et j'avais vu, Pierre m'avait transmis en fait on m'avait transmis les points de spawn. Et en fait on a tous spawné en à peu près un truc qui s'apparente à moins 300. Enfin pas tous, mais on a été en fait à des coordonnées qui sont 300 et qui s'avoisinent vers 300. Donc on est pas trop près du centre, pas trop près du bord. Puis là je me suis vachement éloigné en fait. Mais le point positif c'est que je vois toujours personne. Et que Harry est toujours bien bas sur la vie. Et que j'ai que 4 de fer et que ça m'énerve. Donc ce qu'on va faire, on va refaire un petit puits item. Voilà. Pour y jeter la moitié, enfin la cobblestone qu'on a en trop. Un bout de... Bon, on va le garder. Mon épée en pierre. La hache, parce que j'ai largement assez de bois. Puis j'en referai une. Et c'est tout. Le bout de terre, c'est juste pour garder vraiment le maximum d'espace d'inventaire. J'ai pas envie d'avoir de problème de ce côté-là. Et donc on va éviter d'en avoir. Personne, c'est bien. Voilà. Hop. On va même être fou et en faire deux. Que j'emporterai avec moi. Voilà, j'ai informé du temps. Et donc, comme vous venez de le voir, ça va bientôt être la fin de ce premier épisode. J'espère que la série vous plaît. Moi, en tout cas, j'adore, même si je stresse absolument n'importe comment. Calme. Tu entends ces bruits de pas? C'est le signe du calme. Non, je déconne, il n'y a pas de bruit de pas, n'essayez pas de monter vos haut-parleurs. Voilà. Et normalement, le timer devrait partir maintenant. Et voilà. Merci à tous d'avoir été pour ce premier épisode. Et on se retrouve dans le suivant. Allez, ciao tout le monde.